vue du ciel, une forêt comme une autre. Mais ici, sous les arbres, fini les balades pépères. À 30 minutes de Paris, voici le parc de Sherwood, un parc d'acrobranches, avec des épreuves toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Le plein de sensations fortes qu'une famille de la région parisienne est venue tester. C'est la première fois qu'ils viennent dans ce parc sur le thème du Moyen-Âge. Avant de grimper dans les arbres, les uns à côté des autres, les pieds dans les petits boucles. Il faut d'abord s'équiper. À la prochaine fois. Un baudrier et des mousquetons. La sécurité avant tout. Voilà, ou pas. Direction, le parcours de Robin des Bois. On va faire Robin des Bois, c'est un niveau un petit peu plus... Il est où? Il est où? Très bonne question. On va essayer de le trouver. Bien qu'on est impatient. Sarah, l'aînée, se lance la première. Elle prend d'assaut une toile d'araignée qui mène à une plateforme suspendue à 5 mètres du sol. C'est marrant. Sa sœur Sacha la rejoint. Vas-y. Les bras croisés? Bah oui. Ok. Un moment de franche rigolade. Leur mère, Nathalie, ouais, c'est ça. Est moins détendue. Bah, je suis pas à l'aise. Ça, c'est sûr. Je suis pas à l'aise, ça, c'est sûr. Je suis pas à l'aise. Elle finit par se prendre au jeu et enchaîne les attractions. Comme cette tyrolienne de 100 mètres de long. Le père, lui, veut plus d'adrénaline et se prépare à sauter dans le vide, à 15 mètres du sol, l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. C'est bon ? J'ai peur pour elle. Allez ! 3, 2, 1, parti ! Non, elle n'a même pas peur, elle est genre détendue. Non. Il a fallu se lancer, donc c'était pas facile. Hein. Pour voler d'arbre en arbre, comme Jen et Tarzan, ils ont payé 27,50 euros par personne, 110 euros en tout la journée. L'idée, c'est d'être ensemble. C'est d'être ensemble, passer un petit moment sympathique ensemble. Puis après, on est dans la nature, mine de rien, et c'est bien, quoi, on est dépaysé. Des activités perchées qui attirent tous les publics et même des people. Comme le comédien Tomer Sisley, rendu célèbre grâce au film Largo Winch. Il est venu pour se détendre avec ses enfants. C'est des activités saines pour les enfants, je trouve ça génial. Je trouve que c'est, on est un peu dans la nature, des activités physiques, on se dépasse un petit peu, on peut se faire un petit peu peur. Et puis c'est un moment qu'on passe en famille, c'est agréable, c'est sympathique. Si pour ces familles, comme pour beaucoup de Français, l'été est synonyme d'aventure, d'évasion et de nature, l'acrobranche coche toutes les cases. On les connaissait dans les forêts. Ils investissent maintenant des lieux étonnants comme des bateaux. La vue magnifique en haut. Moi, je vous invite à y aller. La France compte aujourd'hui pas moins de 700 parcs acrobranches. Chouette, hein? On a l'impression de planer un peu. Ces 10 dernières années, l'acrobranche s'est démocratisée. Comptez environ 20 euros l'entrée. Le marché pèse 175 millions d'euros en France. Bonjour Étienne. Salut Thierry. Ça va? C'est devenu une spécialité française, réputée dans le monde entier. Des entreprises tricolores vont jusqu'en Asie pour installer des parcs. Morning. Comment ces sociétés parviennent-elles à faire de l'acrobranche un business florissant? Et comment conçoivent-elles ces activités sportives en plein air où vous vous amuserez demain? Ouais, bravo. Retour au parc de Sherwood en région parisienne. Le plus grand parc d'acrobranche de France. 13 hectares de forêt qu'un homme a su exploiter pour atteindre un chiffre d'affaires de 2 300 000 euros par an. Éric Grenier, 50 ans. Ce matin, il reçoit la dernière pièce d'une nouvelle attraction sur laquelle il mise beaucoup pour réussir sa saison.
Très heureux de vous voir. Ça va ? Ça va ? Impeccable. Bonjour, ça va ? Ça y est. Alors, voilà, enfin les fameux chariots. C'est ça. Très bien. Bon, on va aller découvrir ça sur place. Allez. Hein ? Eric a cassé sa tirelire pour cette attraction. 250 000 euros. Le prix d'une tyrolienne à haute sensation de 250 mètres de long. Encore faut-il la tester. Et c'est le patron en personne qui joue les cobayes. Je teste toutes les activités du parc avant que les clients aillent dessus. S'il y a un souci, bah, normal que ce soit moi qui soit le premier concerné. Une tyrolienne qui coulisse sur une poutrelle métallique avec des virages serrés et des tours à 360 degrés. Une minute de descente à 30 km/h. T'as vu où tu la reprends ? Ouais, tu la reprends en milieu. Alors, t'as l'impression ? Eh ben génial, ça envoie vraiment fort. Je pense que ça va beaucoup plaire. C'est très fun, très très fun. C'est fun peut-être, mais ce sera aussi plus cher pour le client. 3 euros pour cette attraction, à payer en plus du ticket d'entrée. Avec sa nouvelle tyrolienne, Eric Grenier espère augmenter son bénéfice net, qui atteint déjà 200 000 euros par an. Voilà maintenant 13 ans qu'il a démarré son activité. Ouais, il vaut peut-être mieux faire celui-là, non ? Dans son ancienne vie, il travaillait pour Air France. Il gérait un centre de vacances réservé aux employés. En 2006, il décide de voler de ses propres ailes et d'ouvrir son parc. À 2 km de chez lui, il repère l'endroit idéal. Au départ, c'était un bois totalement sauvage. Il n'y avait absolument aucun chemin de tracé, donc il a fallu tout faire. Naïvement, on a voulu débroussailler à la main, on a loué des petits appareils, et puis au bout de 2 heures, on avait avancé d'1,50 m, on s'est dit on va peut-être passer à un stade supérieur, et on a fait venir des engins sérieux pour le faire. Il a ensuite fallu installer les premières attractions, les fameux parcours entre les arbres. Comment ça va, Julien ? Ça va. Depuis 4 ans, c'est le travail de Julien Pelletier, son homme volant. C'est lui qui conçoit chaque nouvelle attraction dans le parc. Voici sa dernière œuvre, le parcours le plus difficile à 20 mètres de hauteur avec une vingtaine d'obstacles extrêmes. C'était aussi une demande de nos clients qui voulaient un petit peu du challenge. Et donc on a créé là par exemple cette section-là avec des balançoires décalées juste au-dessus de nous. On a également des trous longs avec des balançoires et puis après des soucoupes, ce qu'on appelle les soucoupes qui sont juste là. On est simplement mis dessus et on doit passer d'une soucoupe à l'autre, ce qui est assez difficile. Sherwood est le parc d'Acrobranche qui compte le plus d'attractions en France. Il y en a 450 de toutes sortes. Tyroliennes, ponts de singes, des structures en bois et cordes qui s'usent. Leur entretien coûte près de 200 000 euros par an. Mais il y a une autre dépense qui pèse bien plus sur les finances du patron. Demain, ce qui serait bien, c'est que vous refassiez les parcours. Les employés. Ils sont une cinquantaine, reconnaissables à leur tenue moyenâgeuse. Le poste de dépense le plus important, 800 000 euros pour les 7 mois de la saison. Eric Grenier ne peut pas y couper. Ils sont là pour assurer la sécurité. Si le baudrier est mal mis, en fait, au niveau du bassin, il a tendance à tomber. Parmi les recrues en renfort pour l'été, Léonore, 19 ans, étudiante en droit. Tu stabilises avec un pied la balançoire et tu mets tes deux mains sur le câble et tu regardes en face de toi. Elle est notamment chargée de fluidifier le trafic sur les attractions. Avance un petit peu ton pied gauche, avance un tout petit peu ton pied gauche pour avoir la place de mettre le droit. Car si les clients viennent ici pour se faire peur, parfois ils se figent sur place, comme cette petite fille. Allez, essaye de la faire. Regarde, là, en fait, c'est fini, tu descends à l'échelle, t'es même pas obligé de recommencer un autre parcours. Malgré le réconfort de son père, la fillette reste paralysée. Respire, calme-toi. Tu veux que je vienne avec toi ? Si je viens avec toi, l'affaire, tu descends avec moi. On la fait toutes les deux. Oui ? La jeune femme intervient. Elle sait garder son sang-froid dans ces situations. Elle a été spécialement formée pour gérer ce genre d'incident. Ça va, ça a été ? Non ? T'as peur ? Non. Tu passes ton mousqueton et ton crochet ?
Opération réussie. Voilà, ça va ? Oui. Chaque jour, Léonore fait en moyenne une dizaine d'interventions comme celle-ci. Ça me plaît, c'est, ça change d'un job banal comme vendeuse ou autre. Donc c'est vrai que c'est différent, mais justement, c'est ce qui rend le job sympathique. Ah, mais t'inquiète, il va rien t'arriver, t'as accouché. Pour ce job d'été passé en forêt, elle est payée au SMIC, 1170 euros net par mois. Tu stabilises avec un pied. Tu fais toujours ça avec le sourire ? Bah oui, il faut, parce que si on est désagréable, après les clients ils sont pas satisfaits et puis ils sont en train de s'énerver, il faut leur expliquer patiemment. Et si Léonore perd le sourire, elle risque de passer à côté d'une prime. Bonjour, ça va et vous ? Oui. Pour encourager ses troupes, Eric, le patron, a institué un système de récompense original. Lorsqu'un client est content de sa visite, il poste parfois un message sur un site spécialisé dans les avis. Dès qu'il fait un commentaire positif sur un employé, comme ici Léonore, le salarié en question touche une prime. À chaque commentaire, ça fait 10 euros en plus à la fin du mois ou à la fin de la saison. Alors, vous êtes contente, hein ? Bah, moi, du coup, c'est compliqué de dire son prénom à la fin quand on évacue, mais généralement, on essaye. Ce système de bonus rapporte près de 40 euros supplémentaires par mois à Léonore. Pour le patron, ce site est aussi une publicité gratuite et il compte dessus pour remplir son parc. Pour être rentable, il doit faire au minimum 500 entrées par jour en été. Pas simple, d'autant qu'il y a une concurrence très importante à proximité. Dans un rayon de 50 km, les deux plus grands parcs d'attractions de France. Pas facile de se faire une place. Combien on a de réservations ? On a à peu près une centaine de réservations. Une centaine, oui. Donc tout va dépendre en fait de la fréquentation spontanée. Eric compte sur les clients de dernière minute. Ça va très bien, merci. Comme ces trois jeunes femmes qui ont entendu parler du parc en cherchant une nouvelle activité sportive sur Internet. Bah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on s'est dit qu'on ferait une activité. On voulait avoir des sensations fortes, et donc pourquoi pas venir essayer de sauter, etc. Dans la nature, ça fait du bien. C'est 27,50 euros l'entrée pour les adultes. Merci. Et 18,50 euros pour les enfants. Des prix attractifs par rapport aux concurrents qui permettent au parc d'augmenter sa fréquentation. 125 000 clients l'an dernier. Car l'attrait pour l'acrobranche est de plus en plus fort. Tout le monde veut avoir son parc. Et des entreprises ont bien compris qu'il y avait là un business à prendre. Au cœur de l'Aveyron, à Entriègue-sur-Truyère, à une trentaine de kilomètres de Rodez. Pierre Sicard a fait la route depuis les Alpes de Haute-Provence. Il est l'un des plus gros constructeurs d'acrobranches. Sa société Arbre et Aventure a déjà réalisé 280 parcs. Ce jour-là, il vient repérer les lieux pour un projet initié par les élus locaux. De ce projet-là, j'y tiens parce qu'il y a un parcours acrobatique, des grandes tyroliennes à sensation et faire une via ferrata aussi. Donc pour moi, c'est un gros projet. Pour la société, c'est un gros projet, hein, il ne faut pas se mentir, et qui est intéressant. Il a rendez-vous avec deux personnes de la communauté de communes. Ils veulent ouvrir un site d'acrobranche d'ici l'été prochain. Voilà, donc l'idée, c'est de trouver, rentrer dans cette zone ici et de voir un peu toutes les thématiques qu'on a par rapport aux arbres. Si vous voyez des zones dès que je vois une zone intéressante, pas, boum, on bloque, on s'arrête gérer, et puis voilà. On regarde. Voilà. Et le but, c'est une bande boisée de 2 km de long sur laquelle Pierre doit trouver le spot idéal. Il faut reprendre la voiture. Mais ça démarre mal. Là, non, là pour l'instant, l'acrobranche, c'est pas possible. J'ai pas d'arbres et j'ai pas assez de surface. Les arbres ne sont pas assez gros. Quelques centaines de mètres plus loin, Pierre s'arrête. Tel un chasseur à l'affût, il débusque un arbre qui pourrait faire l'affaire. Je regarde ce chêne. Ça, c'est le chêne, c'est ce qu'il y a de plus costaud. C'est le top pour faire les arcs. Alors, bon, il n'est pas gigantesque, mais il est pas mal. Celui-là, il y en a un gros.
Il y en a là-bas de l'autre côté, j'ai vu. Et ce que je cherche, il y a une petite île au milieu. Alors ça serait pas mal. Richard, viens voir. Qu'est-ce que tu en penses, là? Cette île. Il y a des arbres dessus, regarde, il y a des beaux arbres. Hein. La rivière tumultueuse lui donne tout de suite une idée. Là, je vais faire une tyrolienne. Et tyrolienne, c'est ce qui plaît le plus, bien sûr, aux enfants et à tout le monde. D'accord. Aujourd'hui, si on pose la question à un gamin, tu t'es régalé, c'est quoi le mieux? Oh putain, je me suis régalé sur la tyrolienne. Il ne va pas dire sur la passerelle ou le pont de singe. Le constructeur a une autre idée derrière la tête. Il veut faire un gros coup avec ce client. Construire une attraction dont tout le monde parlerait. Pierre est un spécialiste des projets spectaculaires. L'hiver dernier, il a réalisé la plus longue tyrolienne de France dans la station de ski de Val Thorens. Un vol plané à 80 km/h sur près de 2 km. 3 minutes de sensations fortes. Pierre voudrait récidiver en battant ici un autre record, cette fois-ci au-dessus de ce lac. Allez, des coups de laser. Rends compte, on pourrait presque aller tirer jusqu'à la cabane qui est là-bas. Oui. Parce qu'elle doit être, elle, après, elle doit être dans l'alignement du barrage derrière. Une traversée de près d'un kilomètre, à plus de 130 mètres de hauteur. Ce serait la plus haute tyrolienne de France. Donc une tyrolienne qui démarre à 130 mètres de haut, moi je n'en connais pas. Des longues de 800 mètres, oui, ça y a. Il y en a quelques-unes, enfin il n'y en a pas beaucoup, hein, on est d'accord. Hein. 134 mètres de haut. Eh bien, quand je suis au milieu, voilà. Là, c'est le grand saut dans le vide. Évidemment, cette petite folie coûte très cher. Mais ce n'est pas rédhibitoire pour les élus locaux. Sur les tyroliens, est à pas loin de 500 000 euros. Et si on veut sortir du lot, il faut mettre le prix. Le lieu en vaut la chandelle. Donc, ça peut nous amener effectivement à faire des choix vers le haut, financiers vers le haut. Le projet pourrait être signé dans quelques semaines et les travaux démarrer cet hiver avec une ouverture en 2020. Aujourd'hui, les clients sont prêts à investir de grosses sommes car l'Acrobranche attire un public très large. Pour que cette activité, d'abord réservée à quelques casse-cou, prenne son envol, il a fallu attendre qu'un homme invente un objet avec lequel il a fait fortune. Nous partons dans le sud-est de la France, dans la station balnéaire de Sifour-les-Plages, près de Toulon. Joad Capron nous a donné rendez-vous dans le parc qu'il y possède. Bonjour Delphine. Son business, c'est celui de la sécurité des clients. Il a inventé un mousqueton révolutionnaire. Tu lâches le crochet, lâche-le, et c'est parti! Au début de l'acrobranche, on utilisait ces deux mousquetons. Mais ils ne garantissaient pas une sécurité optimale pour le client. Au passage d'un obstacle, il devait décrocher uniquement un mousqueton pour aller l'accrocher de l'autre côté de l'arbre. Mais ce que faisaient certains clients, c'est qu'ils décrochaient les deux et ils se déplaçaient pour aller raccrocher. Mais pendant la période où ils étaient décrochés, il y avait un grand risque qu'ils basculent dans le vide. Pour éviter ce genre d'accident, Joad Capron a inventé la ligne de vie en continu. Le câble de sécurité est fixé sur un support. Au départ du parcours, il faut engager ce crochet légèrement entrouvert et le faire glisser sur la plaque. Un crochet que le grimpeur ne peut plus retirer avant la fin du parcours. Le client ne peut plus faire de fausses manœuvres, donc il reste accroché en permanence puisqu'il est posé sur le câble. S'il désirait sortir, il ne peut pas le faire, donc en aucun cas. Joad donne le surnom de son père à son invention, Zaza. Nous sommes en 2010 et le succès est immédiat. Sa société équipe aujourd'hui près de 300 parcs en France. Le crochet est vendu 50 euros pièce, mais pour pouvoir l'utiliser, les parcs sont obligés d'adapter leur parcours en posant des fixations compatibles que Joad est le seul à produire.
Il les vend en moyenne 35 euros pièce et il en faut plusieurs par arbre. Ses affaires marchent bien. Son entreprise génère 900 000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais aujourd'hui, il n'est plus le seul sur le marché. D'autres systèmes de sécurité arrivent et ses concurrents lui grignotent des parts de marché. À 400 km de là, à Argelès-sur-Mer, près de Perpignan. Un complexe de loisirs avec son parcours accrobranche. Thierry Dehonte, un autre fabricant de mousquetons, a un rendez-vous commercial important avec les dirigeants de ce parc. Bonjour Nicolas. Bonjour Étienne. Salut Thierry. Ça va ? Il les connaît déjà, car il leur a vendu son système de sécurité lors de l'ouverture du parc. Son invention, la voilà. Deux mousquetons interconnectés. Si vous enlevez un des deux connecteurs, le deuxième est verrouillé et ne s'enlève pas. Vous devez raccrocher le premier connecteur pour enlever le deuxième. Vous êtes toujours attaché par au moins un point. Ensuite, autre avantage, cela permet de fluidifier les parcours. Contrairement au système Zaza, on peut doubler une personne qui n'avance pas. Si Thierry revient aujourd'hui dans ce parc, c'est pour présenter sa dernière invention. Donc en fait, ce sur quoi nous réfléchissons aujourd'hui, c'est d'avoir la poulie directement intégrée au connecteur. D'accord. Donc d'accord. Le tout en un. C'est-à-dire qu'en fait, tu as directement, quand tu te connectes, tu as la poulie intégrée. Voilà, donc en fait, tu as tout en un. C'est-à-dire une poulie pour tyrolienne intégrée dans les mousquetons. D'accord. Donc c'est du jamais vu. Voilà, nous, j'aimerais bien qu'on l'essaye. Écoute, avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Jusqu'à présent, la poulie était une pièce à part qu'il fallait porter à son baudrier. Désormais, c'est du tout en un. Un système plus simple et moins encombrant pour les clients. Pour le parc, c'est l'assurance de faire passer plus de monde sur ses attractions. On va voir ce que ça donne. Alors moi qui suis en plus très amateur de tyrolienne. Allez, très bien. On y va, on essaie ? Écoute, allez, c'est parti. 1, 2, 3. Le test est réussi. Encore faut-il convaincre celui qui tient les cordons de la bourse. Nicolas Perpignat, le responsable du parc. Je pense que c'est une solution en gain de temps pour les clients, c'est moins encombrant parce qu'on se retrouve juste avec deux mousquetons. Là, tout est accroché au même endroit et le harnais sera plus que léger. Quoi. Donc, c'est pas mal. Quel est le prix ? Si on veut parler de prix. Eh bien, le prix, donc là, avec la poulie, on sera en base à 340. A priori, c'est bien plus cher que la ligne de vie continue. Mais si l'on tient compte de tous les frais économisés comme les fixations, cela revient à peu près au même prix. Nicolas Perpignat s'est finalement laissé convaincre. Le contrat d'un montant de 100 000 euros devrait bientôt être signé. Ces équipements de sécurité coûtent cher au parc. Alors certains d'entre eux ont réfléchi à d'autres façons de faire de l'acrobranche. Toujours en sécurité, mais sans aucun matériel. De quoi se sentir beaucoup plus libre. Voici la deuxième génération d'acrobranche. Les parcs affilés, comme celui de Landol en Bretagne, ouvert il y a 2 ans. Ici, pas de harnais de sécurité. Pas de mousquetons, ni de ligne de vie. Les visiteurs évoluent en toute liberté à 10 mètres du sol, sur d'immenses toiles d'araignée. Wouh ! Allez, vas-y, saute ! Pour les parents de jeunes enfants, c'est plus sécurisant. Pour le parc, cela permet de faire des économies de personnel de surveillance. Du coup, l'entrée coûte moins cher, 11 euros par personne. Je vais pas me lever. C'est sportif. Mais c'est chouette, hein ? On a l'impression de planer un peu, de... Hein, Emma, c'est chouette ? Des sensations sans aucun risque et moins cher, le cocktail parfait. C'est moi l'araignée, je dois vous manger. Une ingénieuse idée, née dans la tête d'un homme, qui a très bien su la développer. Au point qu'aujourd'hui, le monde entier se l'arrache. Pour le rencontrer, il faut prendre la mer et accoster sur l'île de Groix, au large de l'Orient.
une toute petite île où vivent seulement 2500 personnes. Cet homme, béret sur la tête et boucle d'oreille, c'est Cédric Chauveau, 60 ans. C'est comme un cheval, c'est... Un grand enfant. Dans son ancienne vie, il était mateloteur. C'est horrible. Pendant 30 ans, il a sillonné le globe lors de courses au large, notamment avec le célèbre skipper Titouan Lamazou. Il s'occupait du cordage des bateaux. En 2008, il jette l'ancre et décide d'utiliser son savoir-faire maritime. Il crée une petite aire de jeu sur l'île, le premier parc à filet du monde, au départ uniquement pour sa famille. Sur les bateaux de course, on a des grands trampolines. Et on jouait vachement dessus, nous, déjà. Donc après, j'en ai fait un grand pour mes enfants et j'ai vu que ça marchait super bien. Et tous les gamins de Groix venaient jouer dedans. Voilà, l'idée, elle est venue comme ça, en fait. C'est rebondir, quoi. C'est le premier truc que tu fais, c'est sauter sur ton lit quand t'es petit. Tu vois, quand je fais ça, ben, tu me bouges, quoi. Cédric Chauveau tient son concept. Personne n'y avait pensé avant lui. Il est contacté par des professionnels du loisir pour construire des parcs à filets en France. L'ancien marin vend alors ses filets 150 euros le mètre carré, pause comprise. Pour un parc entier, la facture s'élève à 250 000 euros à peu près. C'est une tourelle pour monter à l'autre étage, quoi. Voilà, ça c'est un peu classique. Hein. Ça permet d'aller d'un étage à l'autre. Il fonde alors sa société qu'il appelle Chien Noir, en hommage à l'un des héros du célèbre roman de Stevenson, L'île au trésor. Il fabrique des parcs au rythme de 3 par an. Suffisamment pour embaucher 50 personnes et devenir ainsi le premier employeur de l'île de Groix. Il crée son atelier dans ce fort, au milieu des chèvres. Ma titine, elle est malade. On la soigne, non? C'est notre mascotte. Aujourd'hui, une partie de l'équipe assemble une passerelle d'accès à ces fameux parcs affilés. Les gens vont marcher sur cette matière-là. Après, ici, c'est la cloison, ça fait office de cloison. C'est la sécurité. Et en termes de résistance, c'est à 350 kg à la maille. Donc quand on saute et tout ça, il n'y a aucun risque, on est en sécurité. Ah, y a aucun risque, on n'a jamais eu de soucis avec ça d'ailleurs. Ces dernières années, Chien Noir monte en puissance. Son terrain de chasse désormais, c'est l'international. Et sa première commande totalement hors du commun, un parc à filets dans une mine. Là, c'est au Pays de Galles. C'était un sacré défi, quoi. Quand on est arrivé dans cette mine-là, avec les Anglais, là, on leur a dit, les gars, ça va pas le faire, vous êtes tarés ou quoi. Un joujou à 300 000 euros. Un succès commercial qui devient leur carte de visite et qui déclenche des commandes en cascade. Le comptable, il dit, waouh. Tu vois, tout le monde est content. Les banquiers, le comptable. Vous ? Nous. La Groix, la mairie, enfin tout le monde, quoi. Chien Noir voit plus loin. Les Groisillons s'attaquent en ce moment à un nouveau marché qui leur offre des possibilités de développement quasi infinies. L'Asie. À 11 000 km de Groix, Singapour. Son aéroport a été élu le plus beau du monde et c'est le nouveau terrain de jeu des Bretons de Chien Noir. 65 millions de passagers transitent ici chaque année, deux fois plus que l'aéroport parisien d'Orly. Ce jour-là, le numéro 2 de Chien Noir, Pierre Saccaze, et un technicien de la société viennent livrer le chantier à leur client, le propriétaire de ce centre commercial de luxe, situé dans l'aéroport. Ah ouais, ouais. Ça a de la gueule. Ouais. Ils ont pensé à tout, hein. Vraiment. On est loin de la petite île de Groix. Ici, tout est des mesures. Un immense toit en verre, une cascade de 40 mètres de haut, une forêt tropicale de 3000 arbres. Et au dernier étage, un immense parc à filets de 500 mètres carrés, fabriqué par Chien Noir. Il a ouvert il y a une semaine. Et c'est déjà une réussite commerciale. Un millier de visiteurs s'y pressent chaque jour. Ils payent 16 euros de l'heure pour se promener dessus. Pour nos Bretons, c'est un contrat à 500 000 euros. Celui qui s'est offert cette petite folie s'appelle Monsieur Sou.
Hi, Philippe. Yeah. Nice to meet you, man. Great to see Great you. To see you again, yeah. Excellent. So how is the turnout today? It was excellent. You look at the kids. We were told that we nearly booked to the evening today. Okay. For the sports that we have. Great to hear. Yes, excellent. So your first feedbacks are really good. We have very positive feedback. Good. Le directeur du centre commercial a passé commande après avoir découvert le concept au Pays de Galles. Le fameux parc à filets tendu dans la mine, par chien noir. Quand on a essayé ce truc pour la première fois, quand on a commencé à sauter dessus, on s'est dit que c'était exactement ce qu'il nous fallait ici pour le complexe. En un mois de fréquentation, l'investissement de M. Sou sera remboursé. Paris réussit aussi, pour chien noir. Là, en termes de vitrine, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. C'est vrai que d'être à Jewel, c'est quand même très prestigieux pour notre entreprise. Forcément, ça débouchera sur d'autres installations, je pense, dans les années à venir, dans le secteur ici. L'entreprise bretonne va continuer à tisser sa toile. Avec 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une progression annuelle de 20%, c'est déjà un énorme succès pour les marins de l'île de Groix. Aujourd'hui, que ce soit dans un centre commercial, une mine ou une forêt, l'acrobranche fait recette. Il restait un lieu à investir, les villes. Direction Rochefort en Charente-Maritime. Dans l'arsenal de la cité portuaire, un parc acrobranche pas comme les autres, l'Acroma. Ici, on ne joue pas à Tarzan, mais au Moussaillou. Un parcours avec des filets, des câbles et des tyroliennes. Et à la fin, une descente de 30 mètres. Frisson garanti pour Grégory et sa fille Lilou. Excellent. Top. La vue magnifique en haut. Moi, je vous invite à y aller. Tu préfères faire ça ici ou dans une forêt de l'acrobranche? Peu importe, moi j'aime bien les arbres. Effectivement, on n'a pas les arbres qui nous rassure un petit peu, là c'est le vide. Un parc imaginé par Patrice Galéa. Il possédait déjà deux parcs dans des forêts de la région. Il a voulu surprendre en créant ce décor de toutes pièces. Un bateau de carton-pâte qui ne quittera jamais sa cale sèche. Ce trois-mâts rend hommage à un navire emblématique de la ville. C'est un bateau qu'on a refait en 2016, qui est sur les mêmes dimensions que l'Hermione. Et l'idée était de faire grimper les gens dans la mâture. Donc on a créé un parc aventure type acrobranche sur un bateau. Pour l'instant, c'est le seul qui existe au monde. Son attraction est la copie conforme de l'Hermione, qui est elle-même la réplique d'une frégate de guerre du XVIIIe siècle. À chaque fois qu'elle revient dans son port d'attache, c'est une liesse populaire. Elle attire près de 250 000 touristes par an. Patrice a installé son Acroma à côté de l'Hermione. Il a investi 600 000 euros dans la construction de ce faux bateau. C'est vraiment une grosse structure architecturale. On travaille avec un cabinet d'architectes, avec un bureau d'études. On est sur une construction massive. C'est pas juste un parc en forêt où on utilise des arbres comme support. Son attraction a trouvé son rythme de croisière. 40 000 visiteurs sont venus l'an dernier. De l'entrée, 18,50 € pour les adultes, 4 € de moins pour les enfants. Bien sûr, une telle réussite intéresse d'autres entrepreneurs qui voudraient bien copier le modèle. C'est le cas de Stéphane Métayer, originaire d'une autre ville portuaire, Saint-Malo. Et le câble, là, moi je fais presque 100 kilos, ça tient. Ah oui, si tu vas pas le casser. Ouais. Il vient tester le parcours, mais surtout il veut discuter affaires avec Patrice et Laurent, son associé. Waouh! C'est un peu chaud là. En fait, moi j'ai le vertige donc. Hop là. Le Malouin a repéré une cale sèche inexploitée dans sa ville où il pourrait implanter son Acroma. À 200 mètres des remparts du centre historique, fréquenté par 2 millions de touristes, autant de visiteurs à conquérir. Pour cela, il veut que son Acroma rappelle l'histoire de la cité corsaire. Il faut regarder ce qui est le plus économiquement aussi intéressant. Parce que, le premier intérêt que j'avais quand j'ai vu la structure de Rochefort, c'était de faire des économies d'échelle. J'avais dans l'esprit en fait que tout ce qui était, au-dessus du pont, c'était identique. Les mâts restent les mâts, les vergues restent les vergues, les ateliers restent les ateliers. De toute façon, il faudra se connecter à l'histoire de la ville, ça c'est sûr. Ouais.
Un projet à 1 million d'euros. Si tout se passe comme prévu, l'Acroma de Saint-Malo sortira de mer au printemps 2020. De la glisse. C'est trop bien. C'était trop génial. Des rebonds. Pour 10 euros en moyenne. Deux pour la journée. Les jeux gonflables promettent de longues heures d'amusement aux enfants. Un marché qui s'élargit depuis quelques années aux adultes. Trop bien, trop content. Avec des attractions de plus en plus extrêmes. J'en pouvais plus. C'est mort de rire. Allez les filles, hein. Il existe un millier de parcs à jeux gonflables en France. Et il y en a en moyenne une cinquantaine de nouveaux chaque année. Les fabricants de jeux osent tout. Comme cette licorne taille XXL. Ou encore ce toboggan de 12 mètres de haut. On a réussi à faire un élément qui devrait pousser les limites bien plus loin. Pourquoi les structures gonflables sont-elles si populaires? Comment les entreprises spécialisées inventent-elles les jeux de demain? Les vacances d'été, c'est la promesse de balades sur la plage, de pêche aux coquillages, des activités tranquilles que les familles délaissent pour s'adonner à des loisirs plus amusants. En Bretagne, dans le golfe du Morbihan, au nord-ouest de Nantes, la petite ville de Saint-Armel. C'est là où la famille Chaperon s'offre aujourd'hui une journée à sensation. Tu prends le sac à dos ? Hop ! Lily Rose, 8 ans, a soufflé l'idée à sa marraine. Aller s'amuser sur des jeux gonflables. Émilie est venue avec son compagnon et leurs enfants Axel, 4 ans, et Chloé, 1 an et demi. Pour cette première, ils ont choisi un parc familial, au bonheur des gosses. Messieurs, dames, bonjour. Alors, 5, dont une de... 2 mois d'Amette. Donc, est-ce que vous connaissez le parc ? Même la petite Chloé pourra s'amuser. Donc, tu connais ? Alors, les structures sont adaptées adultes comme enfants, donc vous pouvez accompagner dans tous les jeux. Et vous payez pour la journée. Vous pouvez très bien profiter du parc de 3 heures, aller à la plage et revenir après par la suite. 34 euros, s'il vous plaît. Comment vous trouvez ce prix ? Bien. Oui ? Merci. Je vous donne le ticket de caisse. Le tarif est le même pour les adultes et les enfants. 8,50 euros. Sauf Chloé, pour elle, c'est gratuit. En plus, il fait beau aujourd'hui. Ouais. Donc Ça va être super sympa. Allez, c'est parti. Bonne journée. Ils vont pouvoir passer toute la journée dans le parc et grimper sur les attractions à volonté. Il y en a une vingtaine. Les enfants ne savent plus où donner de la tête. À peine descendus du premier parcours, une autre attraction leur fait envie. Papa, oui, pourquoi il y a le grand toboggan là-bas ? Oui, on va aller voir. Un grand toboggan de 7 mètres de haut. Sensation garantie pour Axel. Ouais, c'est vraiment un toboggan. Au départ, ce sont des attractions pour enfants. Mais elles n'ont pas l'air de déplaire au papa. Oh, c'est super. Et vous, les articulations, ça va ? Ça va, ça va. J'attends tout à l'heure. On va découvrir tout ce qu'il y a. Profitez au maximum. L'été, jusqu'à 500 personnes viennent chaque jour au parc. La plupart du temps, en famille. Et les attractions qui ont beaucoup de succès quand il fait chaud, ce sont les jeux arrosés d'eau. Au bonheur des gosses, c'est le fruit du travail de Pascal Boiramé. Le propriétaire du parc s'offre ici une deuxième vie professionnelle. Alors c'est qui le plus fort ? T'es sûr ? Il a zéro. Oh, pas sur la tête, hein. Il y a 6 ans, son quotidien, c'était métro, boulot, dodo. Avec ce parc, il a réalisé son rêve de gosse. Fuir la grande ville, vivre en pleine nature et travailler seulement 6 mois dans l'année. À l'aube de mes 50 ans, j'en ai eu marre de la région parisienne. J'étais agent immobilier. On a tout quitté et on a trouvé ce parc dans un endroit idyllique. Hein. Et en aucun cas, je regrette quoi que ce soit. C'est quand même vraiment... C'est un job super, quoi. 6 ans plus tard,
Son entreprise réalise près de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Le patron se verse un peu moins de 2 000 euros chaque mois, tout au long de l'année. Ah, c'est bien, hein ? C'est très très bien ! Tout ça en travaillant uniquement d'avril à octobre, lorsque le parc est ouvert. Le reste du temps, il profite tranquillement de la vie et s'adonne à sa grande passion. Sortir en mer avec son hors-bord, dans le golfe du Morbihan. Quelle est donc sa recette ? Au départ, il fallait déjà trouver un terrain et investir dans les jeux gonflables. Pascal a fait d'une pierre deux coups. En 2013, il rachète ce parc avec une quinzaine d'attractions. Ce n'était pas donné. Le parc, le foncier, la maison qui est aussi, le chiffre d'affaires, les structures, ça nous a coûté 850 000 euros. L'avantage d'un parc de jeux gonflables, c'est qu'une fois la mise de départ investie, plus besoin de mouiller la chemise. Le business roule presque tout seul. Chaque jour, c'est le même rituel, tranquille. Pascal passe la tondeuse afin que les pelouses soient impeccables. Tous les matins et tous les soirs. Puis il gonfle les attractions. Rien de plus simple. Il suffit d'allumer ces gros boîtiers électriques et des souffleurs donnent vie à ces structures. En 5 minutes, le tour est joué. C'est vraiment à la portée de tout le monde, hein. Ça se complique, c'est s'il y a une panne électrique, quoi. Les souffleurs restent allumés toute la journée. Résultat, une facture d'électricité élevée, de 10 000 euros par an. Mais Pascal fait des économies sur un autre poste. Et voilà. Les salaires du personnel. C'est bon, on peut y aller. Il tient lui-même la caisse. Merci. Il n'a besoin d'aucun salarié pour assurer la surveillance sur les jeux. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Pascal a tout de même embauché une personne pour tenir ce snack. Vous avez mayo, ketchup, tout ça ici. Très bien, merci. Beryl, sa compagne. Il la rémunère au SMIC durant les 6 mois de la saison. Eh ben, bon appétit. Merci. Des frites, des tacos, des panini, des crêpes, des encas pas chers et rapides à préparer. Cette seule activité augmente le chiffre d'affaires de quasiment 15%. Presque. Ça fait plus ou quoi ? Alors ça marque les enfants ? Seul souci pour Pascal, les jeux gonflables s'usent vite. Leur durée de vie est de 5 à 10 ans. On est tout le temps obligé de rénover parce que, bon, parce que les jeux sont en fin de vie. Et puis pour la clientèle, leur a proposé toujours quelque chose de nouveau pour les attirer dans le parc. Cette année, Pascal Boiramé mise beaucoup sur son nouveau jeu. Cette longue attraction, au nom pas très poétique de ventre au glisse. Il y a une longueur de glissade de 30 mètres de long pour arriver sur une pataugeoire de 6,50 mètres de diamètre. La plus longue glissade de son parc. Le patron a investi 15% de son chiffre d'affaires annuel dans ce jeu. Pour faire des économies, il a trouvé une combine. Plutôt qu'acheter l'attraction toute faite avec une structure métallique pour la soutenir, il a fait venir un tractopelle pour modeler une butte de terre de 7 mètres de haut. Le jeu lui a tout de même coûté 7 500 euros. Plus 7 500 euros pour la butte. Au total donc, 15 000 euros. À ce prix-là, mieux vaut être particulièrement regardant quand on investit dans des jeux gonflables. Sur Internet, on en trouve à petit prix. Pour ce toboggan aquatique fabriqué en Chine, comptez 200 à 500 dollars. Et pour ce château, de 500 à 1200. Pour être sûr de la qualité de ces jeux, Pascal Boiramé préfère y mettre le prix. Il fait confiance depuis ses débuts à une entreprise française. Un fournisseur local, devenu une référence mondiale, qui conçoit ses jeux gonflables avec des méthodes artisanales. C'est le numéro 1 des jeux gonflables, basé à Viray, dans la Manche. Une petite ville de 1000 habitants. Son nom ressemble à un code secret, C2J. À sa tête, Jacques Cahu, un pionnier du gonflable. Quand il était plus jeune, il faisait de l'animation sur les plages, déjà avec des jeux gonflables. Dans les années 80, il fonde C2J avec son frère.
Le premier bâtiment, c'est le petit bâtiment jaune que l'on voit en dessous un grand toit. Et après, nous avons fait construire un bâtiment qui était le premier bâtiment de stockage. 30 ans plus tard, l'entreprise s'étend sur 5 bâtiments. Elle fabrique 400 jeux gonflables par an pour un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Chaque jour, au moins 2 camions s'en vont livrer dans toute la France. Un client qui a commandé 3 gonflables, ça part sur Lyon. D'autres partiront beaucoup plus loin, au Maroc, au Mali ou en Indonésie. Ce jour-là, l'entreprise travaille sur une commande importante. Un toboggan aquatique vendu 25 000 euros, destiné à un parc du sud-est de la France. Première étape, réaliser le design du jeu, fait sur mesure selon les vœux du client. Ah Manu, je viens de voir, on va lancer la fabrication du toboggan. T'es prêt de ton côté ? Je suis en train de travailler dessus. Emmanuel, le dessinateur technique, part d'un modèle de toboggan déjà existant. Il le personnalise en mettant la couleur souhaitée. Oui, pour que l'eau tombe directement dessus. Le client m'a demandé le bleu sur ce produit-là, le même bleu que le tablier. Ce sera du bleu, pour bien rappeler aux futurs utilisateurs que c'est une attraction arrosée d'eau. C'est la deuxième couleur la plus utilisée dans les jeux gonflables, juste après le jaune, qui évoque le soleil et la fête. Les enfants adorent. Le client a demandé un toboggan sur lequel on glisse vite. Emmanuel adapte l'angle de la pente. Avec le doigt ? On a une pente minimum, c'est une pente à 45. Comme ça, on est sûr de pas avoir de risque d'accident. Puis en plus, avec le système aquatique, on va prendre de la vitesse. Avec un angle plus grand, on ne fait pas. Deuxième étape, l'atelier de fabrication, coordonné par Morgane Belpré, le responsable de production. T'es sur quelle toile, là ? Je suis sur celle-là. T'es en train de couper les 715 ? C'est ça. D'accord, ok. Ici, comme dans le luxe, tout est fait à la main. Pour confectionner le toboggan, il faut 1500 mètres carrés de toile, du textile enduit de PVC pour le rendre étanche. Toutes les pièces sont découpées par un employé expérimenté. Ses seuls outils, un crayon blanc et une paire de ciseaux. Il ne doit pas se rater, sinon tout un pan de toile finira à la poubelle. Et ici, on travaille à la pièce, donc chaque produit est découpé à l'unité, forcément. Et on peut commencer par fabriquer une chenille, puis un toboggan, puis un parcours, sans avoir à faire 15 chenilles d'affilée. Pour assembler toutes ces pièces, les couturiers piquent 4 rangées de fil. En tout, il faut 2 semaines de travail et l'intervention de 20 personnes pour fabriquer le toboggan. Voilà pourquoi la Rolls du gonflable est 2 à 3 fois plus chère que ses concurrents asiatiques. Le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même chez nous. Nous faisons très attention aux détails, des angles bien arrondis, des doubles coutures, des ourlets. Aujourd'hui, seules 2 entreprises jouent la carte du Made in France. Face à elles, de sérieux concurrents ont bien l'intention de leur souffler des parts de marché. Pour trouver des fabricants plus compétitifs, il suffit de traverser les Pyrénées. Direction la banlieue de Madrid, Illescas. Jérôme Lancelot s'y rend avec son contrôleur qualité. Il est importateur et dirige l'une des plus grosses sociétés françaises de jeux gonflables. En ce début du mois de juillet, il croule sous les commandes. Nous sommes venus en Espagne chez notre fournisseur pour des raisons de rapidité pour livrer nos clients le plus rapidement possible. L'entreprise espagnole est dirigée par Sergio Calero. Voilà, Sergio. Buenos días. Le patron madrilène fournit plus d'une centaine de clients comme Jérôme. Une petite vingtaine d'employés travaillent pour lui. Ils sont rémunérés au SMIC espagnol, autour de 1000 euros, 30% de moins qu'en France. Ici, la machine a en partie remplacé l'homme. Sergio vient d'acquérir un nouvel outil pour découper la toile, 4 fois plus rapide qu'un ouvrier. Les coûts ont été divisés par 2. Avant, j'avais besoin de 2 personnes à la découpe. Maintenant, une seule suffit. Autre avantage, avec cette technologie, pas de mauvais coup de ciseaux. Les pertes de toile ont été divisées par 3. La machine a tout de même coûté près de 100 000 euros à Sergio. C'est elle qui a servi à fabriquer un des jeux que vient récupérer Jérôme. Un toboggan aquatique, commandé par un parc des Pyrénées-Orientales. Mais chouette. Et là, on voit si tout a été bien fait ou pas. On peut avoir des surprises. Ça arrive rarement, mais c'est arrivé.
C'est impressionnant quand même, c'est une belle bête. Hein. Il est petit. Il est petit. Vous vous êtes entraîné pour le porter? Quand on va faire le plier, celui-là. Mais Jérôme et son contrôleur qualité remarquent un oubli. Il manque une fermeture éclair en bas de la structure. On demande juste à rajouter une fermeture éclair pour gagner du temps. On fait rajouter un zip ici afin d'accélérer le dégonflage en fin de journée et pouvoir plier plus facilement le jeu. Sans fermeture éclair, une attraction met près de 40 minutes à se dégonfler. Avec un zip, ça prend moins de 10 minutes. Un gain de temps appréciable pour les propriétaires de parcs qui travaillent souvent seuls. Quelques minutes plus tard, l'erreur est corrigée. On est parti ? Allez, c'est parti. Avec son pick-up et sa remorque, Jérôme va directement livrer son client des Pyrénées-Orientales. Le parc qui lui a passé commande, c'est Aquaglisse 66. C'est la deuxième fois qu'ils travaillent ensemble. Jérôme Lancelot, société ASG. Oui, bonjour, je viens vous livrer les jeux pour la saison. Fred de Maria Clarisse. Enchanté, bonjour. Glisse, bonjour l'équipe. Bonjour. Le parc doit ouvrir au public dans peu de temps. Clarisse Barret, la gérante, est très impatiente de recevoir le fameux toboggan aquatique, car elle n'a pas encore de jeu d'eau. Ça fait maintenant à peu près un mois qu'on a commandé les jeux. Et donc là, il nous reste à peu près 15 jours pour tout mettre en place. Donc c'est vrai que là, il était temps. Jérôme se charge d'installer le jeu, en le fixant bien au sol pour éviter qu'il ne s'envole. Il a payé le toboggan 5 800 euros au fabricant espagnol. Il le refacture 8 988 à la cliente. Il empoche donc au passage 3 188 euros. Une fois la TVA enlevée, il réalise une marge de 22%, de laquelle il doit encore déduire ses frais d'installation. Merci Jérôme, merci à vous. J'espère en avoir une bonne saison pour tous. Déjà, on va commencer par une bonne saison. Allez, merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Jérôme fait ce genre d'opération près de 200 fois par saison. Son chiffre d'affaires dépasse 1 300 000 euros. Il augmente de 15% chaque année. Et ça devrait continuer longtemps. Car aujourd'hui, les jeux gonflables sont l'une des activités estivales préférées des Français. Pourtant, le concept n'est pas né chez nous, mais aux États-Unis. À la fin des années 50, à Shreveport, en Louisiane. Un riche inventeur américain, John Scurlock, a l'idée de gonfler les bâches qui protègent les piscines et les cours de tennis. Mon père a remarqué que les employés qui installaient les bâches marchaient et sautaient dessus quand ça se gonflait. Alors il s'est dit, je vais concevoir un matelas pour que les gens puissent réellement sauter dessus pour s'amuser, pour jouer. Ça a été le tout début du jeu gonflable en 1959. Quelques années après, la famille Scurlock lance Spacewalk, la première entreprise au monde à commercialiser des jeux gonflables. Un demi-siècle plus tard, la France est l'un des plus grands terrains de jeu. Elle compte un millier de parcs spécialisés. Avec toute cette concurrence, pour se faire une place au soleil, certains entrepreneurs choisissent de prendre le large. Ils jouent une nouvelle carte, des jeux gonflables, mais flottants. Leur promesse, des défis sportifs pour toute la famille. Des parcours à sensations, avec de bonnes gamelles. Et en cas de chute, on tombe dans l'eau. L'un de ces parcs flottants est installé tout près de la frontière espagnole, sur le lac de Saint-Pé-sur-Nivelle. Aquazone, une entreprise aux couleurs du Pays Basque. Son fondateur, Henri Charlet. Bon, désolé pour le retard. Un parc sur l'eau, ce sont des contraintes supplémentaires par rapport au parc à terre. Henri n'a que 2 mois l'été pour assurer son chiffre d'affaires. Et surtout, il a des frais en plus. Il doit embaucher du personnel afin de surveiller les visiteurs dans l'eau. 5 employés à l'accueil pour distribuer les gilets de sauvetage. Trop serré ? Attends, on va desserrer celui-là. Et 7 maîtres nageurs, payés entre 1600 et 1800 euros bruts par mois. Un au niveau du palmier, un au niveau de l'aquajump et un au niveau de la tyrolienne. Des frais fixes, mais les recettes sont aléatoires.
elles dépendent de la météo. Et manque de chance, ce jour-là, le ciel est gris. C'est bon, on peut ouvrir. C'est parti. Sandrine ne s'est pas laissée décourager par ce temps maussade. Bonjour. Bonjour. Alors, ça serait pour tous les deux, pour une heure. Pour une heure. Mmh. 8 et 8, 16. Oui. Ici, on ne paye pas à la journée, mais à l'heure. 8 euros par personne. Le montant est le même pour Lilian, 11 ans, que pour les adultes, comme son beau-frère Jean. Une heure, je pense que ça va pour lui. Il avait déjà fait un peu plus jeune. Il va être bien fatigué. Ça va aller. Pour 8 euros, je pense que ça vaut le coup. Ah, d'accord. Okay. Pour être sûr qu'il ne dépasse pas le temps imparti, le parc a tout prévu. On leur donne un bracelet pour leur rappeler leur heure de sortie. Je te mets le bracelet et après, vous pouvez aller prendre les gilets. C'est une première, voilà, c'est histoire de tester un petit peu. Voilà, à deux, ça va être rigolo, on va bien s'amuser. C'est parti pour une heure très sportive. Plongeon, escalade, saut à 4,50 m de hauteur. On va voir. Ça me stresse un peu, mais bon. Je dirais qu'on est haut. Très haut. Dernière glissade. Il est déjà l'heure de sortir. Ça a été ? C'était top. Super. J'ai plus de jus, par contre. J'en peux plus. Je récupère les gilets. Ouais. C'est parfait. 17h05, c'est bon. C'est parfait. C'était super. Mais plus d'énergie, plus rien. Là. On est lessivé. Mais c'était super. Jean est conquis. Il reviendra cet été avec Lilian. En fin de journée, Henri, le patron, a moins le sourire. Merci, à bientôt. Le mauvais temps a plombé la journée. 208 entrées encaissées, alors qu'il en espérait 300. Retour. Chiffre d'affaires, 1921 euros. C'est pas suffisant, on a manqué de soleil. Soit rentable pour moi, une belle journée, il faut au moins faire 3000 euros. Ça permet d'être à l'aise. Le département des Pyrénées-Atlantiques compte 3 autres parcs sur l'eau. Pour se démarquer, Henri a donc décidé de frapper fort. Il a investi plus de 60 000 euros dans ce gigantesque toboggan, avec une idée bien précise derrière la tête. Faire rentrer le parc dans le Guinness Book des records. Ce serait le plus haut toboggan gonflable aquatique du monde. De quoi lui assurer un énorme coup de pub. Bonjour. Ça va bien. Ça va et vous ? Oui, très bien. Bonjour. Bon, mais on est prêt. Hein ? Le voici. Très bien. Prêt à relever le défi. Pour constituer son dossier, Henri a fait venir des géomètres. Ils viennent mesurer la hauteur précise du toboggan. On va scanner le toboggan et ensuite on va extraire les largeurs et les hauteurs qui sont demandées dans le cadre d'un rapport de mesure. Le but d'Henri, battre le record actuel. Détenu par ce toboggan d'un parc irlandais. Son tapis de glisse démarre à 6,50 m au-dessus de l'eau. Si on veut exister, il faut qu'on tape un gros coup, il faut qu'on y aille. Des éléments comme le toboggan va permettre vraiment de se démarquer par rapport à nos concurrents. Les géomètres utilisent un matériel très sophistiqué, ce scanner qui permet une analyse de l'objet en 3 dimensions. On dirait une radio. Ouais, pourtant c'est un nuage de points en fait. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Le toboggan atteint 7,74 m. C'est 1,24 m de plus que le toboggan irlandais. Très bientôt. Hein. Merci, voilà. À bientôt. Au revoir. On est parti. Une bonne nouvelle. Mais Henri débourse une coquette somme pour présenter sa candidature auprès du Guinness Book. On va dire que l'ensemble du dossier pour l'homologation du Guinness, on va être aux alentours de 7000 euros à peu près. Mais on espère vraiment voilà, un impact visuel, que ça fasse un bon coup de com. Il voudrait obtenir le précieux sésame cet été, afin de booster sa saison. Il compte attirer au moins 30 000 visiteurs, 8 000 de plus que l'an dernier. Mais aujourd'hui, les clients qui veulent faire le plein de sensations disposent d'une offre toujours plus étoffée et de plus en plus extrême. Il y avait les jeux gonflables classiques, les jeux gonflables sur l'eau. Voici la 3e génération, les jeux gonflables, réservés exclusivement aux adultes. Il ne s'agit pas de jeux contraires aux bonnes mœurs, mais bien d'attractions démesurées, destinées aux majeurs, avec une bonne condition sportive. Merci.
On l'a refait. De quoi séduire un public qui se fait un plaisir, le temps d'une journée, de retomber en enfance. Direction Villeneuve-d'Ascq, dans la banlieue de Lille, pour découvrir un concept unique en Europe. Les Bulky Games. On fout du carnage, on se lève et on fout du carnage. Vous êtes chauds ? Des centaines de participants attendent de prendre le départ. Ils ont payé leur place entre 30 et 60 euros. Parmi eux, Elsa, 22 ans, chargée de clientèle, et Bilal, 30 ans, chef d'équipe dans la sécurité. Ils se sont inscrits avec quelques amis. Alors nous, on est venus chercher les gamelles, l'eau, le fun, l'amusement. On n'est pas sportif, hein. Donc ça craint. Les organisateurs ont vu les choses en grand. Ils ont loué le stade d'athlétisme de Villeneuve-d'Ascq. Au programme, 5 km de parcours, parsemés de 10 obstacles XXL. Pas de chronomètre, pas de compétition. Le leitmotiv ici, c'est de s'éclater. Comme dans ce drôle de ballet de balles géantes, auquel Bilal tente d'échapper. Pour l'instant, le meilleur moment, la meilleure, meilleur obstacle. Ouais. Ça vaut le coup, là? Vous avez l'impression d'en avoir pour votre argent? Ah oui, c'est pas fini. Oh, c'est quoi de bien, là? C'est que le début. C'est un bon moment. C'est trop fun. Allez. Ils ont chacun payé 40 euros pour participer à cette course. Un concept itinérant qui se déplace dans 14 villes de France cette année. Derrière les Bulky Games, une entreprise belge, cofondée par Simon Trussard il y a 4 ans. Une start-up de 18 salariés et déjà un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros. Chaque événement coûte en moyenne 100 000 euros à organiser. Pour être à l'équilibre, il faut au minimum 3 000 inscrits. 3 semaines avant l'événement de Villeneuve-d'Ascq, il manque encore plus de 200 participants. Il reste 2-3 semaines, on donne tout ce qu'on a, on voit un peu comment on peut calibrer nos outils. Première solution pour attirer de nouveaux visiteurs, s'appuyer sur les influenceurs. Cool. Des personnes qui disposent d'un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Moi je me suis plus occupé des influenceurs, que j'ai commencé la semaine dernière. J'en ai contacté pas mal et il y a quelques deals qui commencent à bien se mettre en place. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Laurent a décroché une salle de sport lilloise avec 7400 abonnés. Et une participante à un jeu télé de survie, suivi par 100 000 personnes. En échange de ce poste, ils reçoivent des places gratuites. Seconde astuce pour faire grimper les ventes, le coût des affaires à saisir. Ils publient sur leurs réseaux sociaux des annonces comme celle-ci. Dernière chance pour obtenir votre ticket à 40 euros. Au lieu de 60 euros sur place le jour de l'événement. En semaine 23, donc la semaine dernière, on a eu un gros boom grâce au changement de tarif. Et comme souvent, après le changement de tarif, c'est un peu plus, les ventes sont un peu moins hautes, on va dire. Mais... La semaine 23, lors de l'opération Dernière Chance, 242 billets ont été vendus, contre 119 la semaine précédente. On réajustait. S'ils mettent des longs tuyaux. Difficile pour Simon de savoir s'il arrivera à faire le plein à Villeneuve-d'Ascq. Ben, honnêtement, ça va dépendre parce qu'on a parfois aussi des événements qui fonctionnent très bien de manière organique. Et donc là, on a des événements où on est venu l'année passée, soit je ne sais pas pourquoi et on ne s'explique pas toujours. Les participants sont plus réactifs. Donc voilà. On passe notre call à Laura. S'il ne conquiert pas les 200 clients manquants, il perdra de l'argent. 3 semaines plus tard, le pari est gagné. Et tout ça avec du bruit, s'il vous plaît, c'est bon. Les organisateurs ont réussi à attirer les visiteurs en nombre. 3200 là aujourd'hui inscrits. C'est une grosse date, c'est une des plus grosses dates qu'on a fait cette année pour l'instant. En dépassant son objectif de 200 personnes, l'entreprise belge s'assure une marge de 10 000 euros. On est rentable sur cet événement, oui. Content. Ah ouais, je suis hyper contente, ouais. C'est trop bien. Puis l'événement s'est bien passé, donc je pense que tout le monde est content, nous et les participants également. Sur les 9 événements prévus en début de saison, seuls 2 ont tenu l'objectif des 3000 inscrits. 2 autres ont dû être annulés faute de participants en nombre suffisant.
L'entreprise belge espère dégager 4 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Saint-Raphaël, sur la Côte d'Azur. C'est le début de la saison estivale dans ce camping 5 étoiles. Comme tous les dimanches de l'été, Johan entre en piste. Il vient proposer aux campeurs une activité en vogue, des randonnées à VTT électrique. Avec son vélo, il leur en met plein la vue pour leur donner envie de réserver une sortie. Cette semaine, je vous propose de vous amener au cœur de l'Estérel, au cœur de la forêt domaniale, au guidon de VTT à assistance électrique. N'hésitez pas à venir vous renseigner près de mon panneau et je serai ravi de vous faire toute l'éloge de l'Estérel. Johan n'hésite pas à mouiller le maillot. Il se déhanche pour se mêler aux vacanciers. Son objectif, que 5 à 10 personnes s'inscrivent. Bonjour monsieur, un petit renseignement ? Oui, avec plaisir. Ce serait en fait, moi je fais du VTT classique et je souhaiterais faire une balade pour découvrir les panoramas de l'Estérel à ma femme et je voulais savoir. Ouais, c'est une bonne idée. J'ai des très bons vélos, c'est des Giant. C'est ça. Parce que là où je vous amène, on peut y aller que à pied ou à vélo. Je pense que pour les personnes qui n'ont pas forcément la condition physique, exactement. Que c'est un accès. Exactement, ça redonne l'accès vraiment à la discipline. Mais je garde, n'hésitez pas, vous m'appelez quand vous voulez. Tarif de la randonnée d'une demi-journée, 45 euros. Grâce à ses vélos tout-terrain électriques, Johan compte bien surfer sur l'un des loisirs tendances de l'été. À la mer, en forêt, à la montagne, le VTT électrique envahit vos lieux de villégiature. Les stations de ski, jusqu'ici peu fréquentées l'été, comme celle rachetée dans le Vercors par Tony Parker, misent sur ce nouveau sport pour attirer les familles. Et pour ceux qui doutent de son caractère sportif, un médaillé olympique de VTT classique, Julien Absalon, en fait même la promotion. De quoi faire rêver les vacanciers, qui se prennent eux aussi pour des champions. Et alors là, je suis en train de gravir un col. Plus besoin d'être entraîné comme un athlète pour partir à la découverte de paysages somptueux. On sent pas du tout le poids du vélo. Comment font les fabricants pour vous proposer des modèles toujours plus innovants ? Quelles sont les recettes des loueurs pour faire du VTT électrique une des activités phares de l'été ? Depuis toujours, les touristes viennent sur la Côte d'Azur pour profiter de la mer et du soleil. Ils ont maintenant une autre raison de se rendre dans la station balnéaire de Saint-Raphaël, le VTT électrique. Dans cette cabane qui fait office d'accueil, nous retrouvons Johan Seni. Les casques, c'est bon ? Oui. La taille ? L'organisateur de randonnées à vélo qui démarche les clients dans les campings. Il s'est lancé dans la grande aventure du VTT électrique il y a 3 ans. Ça fait 15 ans que je suis dans le loisir. Avant, je le faisais avec des vélos traditionnels. J'avais plus de clients. Donc, enfin, en tout cas, c'était difficile de constituer des groupes de niveau. Il y avait des écarts de folie durant le parcours. Et ça redonnait vraiment l'accès à la discipline à tout le monde. Fini les VTT classiques, grâce à l'électrique, Johan a relancé son business. Le secret de ces nouveaux vélos tout-terrain, un petit moteur dissimulé à l'intérieur du pédalier. Parmi les participants aujourd'hui, deux femmes. Bonjour mesdames. Elena, 28 ans, ex-première dauphine de Miss Côte d'Azur. Pas de talons hauts ce matin, mais des baskets pour cette première. Elle a offert cette activité à sa mère, Donatella, en cadeau d'anniversaire. C'est vrai que dans les montées de l'Estérel, non, c'est assez compliqué. Donc ça, je pense que c'est une bonne option, une bonne solution. Comme moi, je ne suis pas trop sportive, justement, elle m'a dit, mais tu verras, maman, là, tu y arriveras. Alors. Approchez, on va faire un petit briefing. À l'aide du bouton du haut, bouton du bas, vous augmentez plus ou moins l'assistance. Hein, vous roulez au minimum avec un niveau d'enclenché. Vous avez 5 niveaux. Hein. Quand on est au maximum, même dans les côtes les plus raides, on a l'impression que c'est plat. Chaque participant a déboursé 45 euros. On reste bien à droite. À ce prix-là, ils ont droit à une session de 4 heures. Un parcours de 40 km pour atteindre le sommet du massif de l'Estérel. Comment ça se passe, assistance électrique ? Une fois bien réglé, ça va très bien.
C'est le démarrage quelques centaines de mètres à s'adapter et après on s'y met très bien. C'est très agréable. Johan, moniteur diplômé, connaît la région comme sa poche. Son truc en plus, donner un maximum d'informations sur l'environnement à ses clients passionnés de nature. Donc tout va bien ? Tout va bien ? Impeccable. Bon, nickel. Regardez, là, on est passé derrière la montagne qui domine Aguet. Hein. On est rentré dans l'Estérel. L'Estérel, c'est un site classé qui est très protégé. C'est comme un parc national ou un parc régional, vous voyez. Et ça va bientôt être classé grand site de France. Quelle surface, ce massif, alors ? Alors, en tout, il fait 36 000 hectares. Mais il y a 14 000 hectares qui sont vraiment classés et qui resteront vierges jusqu'à la fin des temps, on l'espère. Allez, on y va. Pas question de s'endormir. Il reste une trentaine de kilomètres d'ascension pour arriver au sommet. Là, par exemple, si vous enlevez l'assistance électrique, qu'est-ce que ça donne ? Si je l'enlève ? Bah, faudrait que j'arrive à je l'enlève. Hop. Voilà. C'est bêtement plus dur. Après 2 heures de montée, tous les participants touchent au but, quasiment sans avoir transpiré. 24, 24, 25, 22, le point de vue qu'ils découvrent est habituellement réservé aux sportifs les plus aguerris. Ce point-là, la petite particularité, c'est qu'on aperçoit Saint-Tropez et Cannes en même temps. Ah ouais. Vous voyez, on a une vue vraiment... L'Estérel, en fait, est une avancée hein. Sur la Méditerranée. Vous avez la mer de partout, là, soit à gauche, à droite et devant. Elena vit dans la région depuis 15 ans, mais elle n'avait jamais profité d'un tel panorama. Non, moi, j'étais jamais venue ici. Non, c'est vrai, c'est les endroits à pied, on ne peut pas venir. Et en vélo, c'est pratique. En vélo électrique, hein, parce que... À vélo tout court, non. Accompagner des touristes vers des lieux jusqu'ici impossibles d'accès. C'est la recette du succès pour Johan. Avec sa flotte de 15 vélos, son chiffre d'affaires a doublé depuis qu'il s'est converti à l'électrique pour atteindre 30 000 euros l'an passé. Si en bord de mer, la pratique du VTT électrique est toute nouvelle, dans les stations de montagne, elle est déjà une valeur sûre. Direction l'Isère, à Villard-de-Lans, la plus grande station du massif du Vercors. Avec son relief vallonné, son climat tempéré et ses pistes aménagées, la région est un terrain de jeu idéal pour le VTT électrique. Les professionnels du sport ont senti le filon. Au fur et à mesure, 5 loueurs de la station se sont positionnés sur ce créneau. Et dans ce mouchoir de poche, la concurrence est rude. Le premier de ces loueurs dispose d'un net avantage. Son enseigne de sport est très connue. Cela rassure les vacanciers. Alors, on va commencer par taille. Ça, pour avoir le droit d'utiliser ce nom, Frédéric Arnaud reverse 0,5% de son chiffre d'affaires à la marque. L'hiver, Frédéric est loueur de ski. L'été, il propose désormais une vingtaine de VTT électriques à 50 euros la journée en moyenne. Poussez le vélo, vous appuyez un coup dessous et vous appuyez sur le plus et le vélo, il avance tout seul. On commence suivant la météo, 15, on va dire 15 mai, et puis maintenant on finit avec les vacances de la Toussaint. Prolonger les saisons est une belle opportunité pour Frédéric. Vous avez la carte bleue. Merci. Mais louer des vélos est-il aussi rentable que de louer des skis ? Pour amortir ses vélos, Frédéric a une astuce. La même qu'avec les skis. Il revend sa flotte de vélos à chaque fin de saison. Et peut ainsi rentabiliser son service de location bien plus rapidement. Démonstration. Son vélo électrique, il l'achète à son fournisseur 3700 euros. Un investissement important. Mais une fois l'été passé, il le revend 3290 euros. En conséquence, il n'a besoin que de 470 euros de recettes pour l'amortir. À 50 euros la journée de location, plus les frais de service, le vélo est rentabilisé dès le 13e jour d'exploitation. Sur 5 mois d'activité, Frédéric dégage ainsi près de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ça a l'air très simple, mais il y a quand même un élément que Frédéric Arnaud ne maîtrise pas et qui peut compromettre son business, la météo. Aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Hein. Il ne reste plus que ces deux vélos qui sont réservés eux aussi. Et c'est le premier week-end où il fait beau. Dimanche dernier, il y avait un petit peu moins de monde quand même. C'est pas tous les jours comme ça, malheureusement. Quand il fait mauvais, son activité chute. Frédéric est très météo-dépendant. Un souci que n'ont pas certains de ses concurrents qui ont réussi à contourner le problème.
à 500 mètres de chez lui, la société Vélectrip. Olivier Lomonier l'a fondée il y a 6 ans. Ça va être facile, on va aller sur des chemins. Pour l'instant, c'est un peu couvert, mais ça va se découvrir. Ce jour-là, le temps est maussade, mais Olivier garde le sourire. Malgré l'orage, ses 16 clients sont bien là. On a des casques pour tout le monde ici. Pour ne pas dépendre de la météo, Olivier cible une clientèle bien précise, celle des comités d'entreprise. Des groupes qui réservent les sorties bien à l'avance et qui sont donc au rendez-vous, quel que soit le temps. On va faire une petite trentaine de kilomètres, donc faut pas s'affoler parce qu'avec l'assistance électrique, ça va être beaucoup plus facile. Allez, on distribue les vélos. Les participants sont tous collègues. Ils travaillent pour une entreprise d'aménagement urbain de la région. Ils ont abandonné leur bureau pour la journée au profit de cette sortie nature. Il y a Myriam du service mobilité, Lionel et Jean-Marc, chefs de projet, et Nicole, assistante de service. C'est elle qui a eu l'idée de cette sortie pour ses collègues. C'est la première fois, puis du coup ça permet de partager plein de choses. Voilà. Même avec un temps comme ça, qui n'est pas très engageant, on arrive quand même à trouver du plaisir. Du plaisir pour les participants, et pour Olivier, une sortie rentable. 1560 euros de recettes en une seule matinée. On s'est dit qu'il fallait faire partager ça au plus grand nombre, et le plus grand nombre pour nous, l'accès facile, avec le bassin grenoblois, c'est les entreprises. On emmène un peu plus de 1500 personnes par an sur les vélos en entreprise. Ouais. Pour accueillir un maximum de participants, il a investi dans une flotte de 40 vélos. Sa stratégie lui permet de faire 70 000 euros de chiffre d'affaires, et ça ne devrait pas s'arrêter là. Villard-de-Lans a toujours été très prisé par les sportifs purs et durs. Aujourd'hui, la station veut devenir la capitale française du vélo électrique afin de conquérir une clientèle plus familiale. À seulement 30 ans, Guillaume Ruel est le directeur général de la station. Ça va Vincent ? Ça va ? L'un de ses chantiers du moment, c'est le VTT électrique. Le VTT électrique, c'est un moyen de toucher une nouvelle clientèle, puisqu'on peut toucher des très jeunes, mais des un peu plus âgés qu'avec un simple VTT. Pourquoi ? Parce que ça offre des possibilités de pouvoir se balader et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu aller au quotidien sans cette assistance électrique. Ces dernières années, Guillaume a déjà aménagé 6 pistes spéciales VTT dans sa station. Avec, comme pour le ski, une signalétique. Verte pour les plus faciles, bleue et rouge pour les plus ardues. Le directeur prépare un nouveau tracé qui ouvrira cet été. Là, on a un virage relevé qui est très relevé, mais hyper sympa. Super. Combien ça vous a coûté alors de l'aménager cette piste-là? Une fourchette entre 10 et 15 000 euros, quoi, à peu près. Près de 15 000 euros pour seulement 500 mètres de piste. Mais encore faut-il faire connaître ces infrastructures au grand public. Et pour ça, la station dispose d'un énorme atout. Une célébrité connue dans le monde entier. Tony Parker, le plus grand basketteur français de tous les temps. Ses contrats lui interdisaient jusqu'à présent de chausser des skis. Trop dangereux pour sa carrière. Désormais à la retraite, il s'est fait un beau cadeau. Il a carrément racheté la station, près de 5 millions d'euros. Une opportunité de faire quelque chose de super sympa. Pour l'instant, on se concentre plus sur comment on peut améliorer la station, comment on peut apporter, on va dire, une plus-value par rapport aux 4 saisons. En parlant des 4 saisons, Tony Parker vise notamment l'été. Pour booster la fréquentation de la station au beau jour, le nouveau propriétaire des remontées mécaniques a bien l'intention de favoriser la pratique du VTT électrique. L'été, les fameuses remontées mécaniques tournaient à vide. Désormais, grâce au VTT, les cyclistes les utilisent. Il a simplement fallu les adapter. Donc voilà, typiquement, les cabines, on a la possibilité de relever les sièges. Donc comme ça, on rentre un peu plus de vélo. Ah oui. Voilà, on relevait les banquettes. Et nos vélos se mettent ici. Ça n'existait pas avant, ça. Et ça n'existait pas avant, tout à fait. Pour attirer du monde l'été, la station casse les prix des forfaits. Ils sont 30% moins chers que l'hiver, seulement 22,50 euros par jour. Le VTT, c'est donc une stratégie ingénieuse pour être moins dépendant de la neige.
même si les résultats sont encore modestes. Bonne saison d'été, comme l'année dernière, on fait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc non, c'est pas énorme par rapport à l'hiver, justement. Maintenant, il faut qu'on passe la seconde et qu'on y aille et qu'on ait une vraie réflexion pour arriver à trouver un peu plus de rentabilité. Pour acquérir le statut de leader du VTT en France, la station mise sur un événement à l'ouverture de la saison d'été. Le Vélo Vert Festival, le plus grand rassemblement de VTT en France, 45 000 visiteurs sur 3 jours. Une formidable vitrine pour Villard-de-Lans et pour les plus grandes marques de VTT électriques. Elles sont toutes là, La Pierre, iBike, les leaders du marché, et leur challenger, Moustache. Une marque française réputée pour ses vélos haut de gamme. Son objectif, séduire les amateurs de VTT classiques et les convertir à l'électrique. Comme cette famille venue de Haute-Loire. Ça va, il fait beau, on est bien? On est super bien. On va pas être super bien là, c'est clair. On va tester des vélos un peu ou pas? Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on teste? L'électrique. L'électrique. Ah. Et ce n'est pas gagné, car selon Sébastien, le papa, c'est un sport de fainéant. Non, moi, voilà, effectivement, là, il va falloir au départ, j'étais contre l'électrique. Moi. Alors j'ai une petite surprise pour vous, elle est derrière, je vais aller la chercher. Pour convaincre les indécis comme Sébastien, la marque s'est offert une caution sportive, un double médaillé olympique. Je ne sais pas si vous connaissez, sinon vous tapez sur Wikipédia, double champion olympique de VTT, multiple champion du monde, multiple champion de France et premier champion de France VTT AE, donc vélo électrique, de la discipline. Donc Julien Absalon, pour ne pas le présenter, qui vous accompagnera. Julien Absalon, une référence mondiale du VTT classique. Il est devenu le principal ambassadeur de la marque française, montant du contrat 50 000 euros annuels. Oui, c'est un gros investissement, mais Julien, qui est quelqu'un qui a cautionné le VTTAE dès que c'est sorti, pour nous, ça a été pas une révélation, parce qu'on savait très bien que le VTTAE a explosé, mais c'est quelque part, c'est un super outil, clairement, de communication. Et bien, c'est parti. Pendant les 3 jours du festival, le champion enchaîne les sorties avec les visiteurs comme Sébastien. C'est vraiment une belle machine. Et là, c'est un carbone, donc c'est vraiment... On est sur quel poids, même pour un VTT électrique, quoi? On a ouvert 22 kilos. 22 kilos. Bon, merci. Un vélo à 7000 euros tout de même. Sébastien et sa famille s'élancent. Plus tu vas avoir de vitesse, plus ça va être facile à contrôler. On sent pas du tout le poids du vélo. Là, on voit quand même la pente, et ouais. C'est quand même très, très raide. Le père de famille teste les suspensions. Chemin de terre, herbe, forêt, le sportif s'amuse, mais il n'est pas convaincu à 100%. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que ça peut être une pratique complémentaire. J'ai d'abord envie de mettre mon budget dans un vélo classique, mais pourquoi pas plus tard. Malgré les réticences, l'opération séduction est réussie pour la marque. Tout le monde est de retour? Ouais. Entier. Entier. On est content? Avec le sourire. C'est des conditions exceptionnelles, franchement. Le matériel, d'accompagnement, enfin tout. Grâce à sa notoriété, le double médaillé olympique est peut-être en train de faire changer d'avis les plus sportifs. Voilà. Merci. Je pense que c'est pas trop fatigant. C'est plus fatigant de faire du VTT ou pas? Pas pareil. Du jus. Oui. Andy. S'il te plaît. Peut-être de futurs pratiquants de vélo électrique. Une communication astucieuse. Si la marque française mise sur l'image pour se développer, certains de ses concurrents ont lancé l'offensive sur un autre terrain, celui des prix, et offrent depuis peu des VTT électriques, low cost. Pour découvrir ces loueurs à bas prix, direction Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Dans le magasin d'un géant de la vente d'accessoires automobiles. À côté des volants, des essuie-glaces et des enjoliveurs, on trouve désormais des VTT électriques à louer. L'enseigne veut se faire une place sur ce marché émergent. Elle frappe fort, avec des tarifs défiant toute concurrence. 19 euros la journée de location, deux fois moins cher que chez un loueur classique. Pour ce lancement, Noroto a choisi 15 centres situés dans des zones stratégiques. Les lieux de vacances des Français. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner? Mais je vais voir de ce vélo. Hmm,
Si ça vous intéresse, vous pouvez le louer à la journée, le week-end ou à la semaine, comme vous le désirez. 19 euros la journée, 49 euros le week-end. Des prix très attractifs. Et ici aussi, on peut tester avant de louer. On va se mettre de ce côté, s'il vous plaît. Mais pour ça, il n'y a pas encore grand-chose de prévu. Aucune piste aménagée. Là, vous mettez en marche. Ouais. Voilà. C'est le parking du magasin qui sert de piste d'essai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez impressionnant. Si vous désirez le louer, il n'y a pas de souci. On peut faire tous les papiers et vous partez avec. Mais écoutez, vous savez ce qu'on va faire? J'ai fait 4 fois le tour du parking. Je vais partir avec. Le but de la marque, c'est que le client achète le vélo après l'avoir loué. Mais comment parvient-elle à proposer des prix si bas? Direction Lille, le siège social, à l'atelier où sont formés les vendeurs du groupe. Hervé Delbrouck, le responsable du développement, nous explique comment il peut proposer un VTT électrique entrée de gamme à moins de 1000 euros. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire ces prix-là parce qu'on est concepteur, fabricant, distributeur. Donc on maîtrise la chaîne de production jusqu'à la distribution, ce qui nous permet donc d'offrir ce service à ce prix à l'usager. Résultat, son modèle de base est 60% moins cher que celui du leader du marché français. Si vous prenez demain, on parlait d'un Lapierre, vous allez sûrement avoir un cadre en carbone, une fourche qui va être beaucoup plus exigeante, un moteur qui sera plus progressif. Aujourd'hui, nous, on sait faire aussi ce type de produit, on en a au sein de notre gamme, mais ce n'est pas le besoin de notre clientèle. Si le service de location low cost trouve sa clientèle auprès des magasins test, l'offre devrait être étendue à 80 centres. De quoi inquiéter la concurrence qui réagit en misant sur l'innovation. Dans le sud-ouest de la France, sur la côte basque, l'un des plus importants loueurs de la région est installé à Anglette. Il se nomme Christophe Fabfay. Allez, le dernier arrivé. Christophe est un passionné. Il cherche toujours de nouveaux modèles à proposer à ses clients. Et son nouveau bébé, le voici. Alors, un vélo aux pneus impressionnants. Le VTT qui peut vraiment rouler partout. Fat bike, électrique, ok. Des grosses roues avec une batterie ici dans le cadre. Et ici, on est sur un moteur roue arrière, ce qu'on appelle un moteur, un capteur de rotation de pédalage. Ce vélo, Christophe l'a découvert lors d'un voyage aux États-Unis il y a 3 ans. Sur les côtes californiennes, il rencontre les dirigeants de la marque Pedego, pionnière dans le fat bike. Si ce vélo a été inventé pour dévaler les pistes de ski à la fin des années 90, rapidement, les Californiens s'en sont emparés pour rouler sur les plages de la côte ouest. Un déclic pour Christophe. La première fois que j'ai vu ce vélo, j'ai pensé tout de suite aux plages des Landes et tous ces spots de surf inaccessibles parce qu'il faut marcher très longtemps. Ça m'est venu instantanément, j'ai dit, il m'en faut un. Christophe ne rentre pas les mains vides. Il revient de Californie avec un exemplaire pour le tester sur les plages basques. Il est convaincu du potentiel de cet engin à 3300 euros et voudrait le commercialiser. Pour le faire connaître, il réalise alors une vidéo qu'il poste sur les réseaux sociaux. La petite session de surf perdue dans les Landes. Forget the other guy. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai tournée en mars 2015. Elle a fait un petit buzz. Parce que le fait de pouvoir aller sur nos côtes, on a des kilomètres et des kilomètres de plage où, difficile d'accès, où il faut marcher pendant des heures et des heures. Et avec une planche de surf, c'est pas forcément évident. Et si le vélo t'amène et qu'en plus tu peux porter ta planche de surf, c'est le concept est génial pour amener des gens sur des zones un peu moins peuplées et leur offrir un peu plus de liberté, entre guillemets. Christophe devient l'unique importateur français de la marque et commande une cinquantaine de ses vélos étonnants. Un investissement de plus de 100 000 euros, il lui faut désormais écouler son stock. Pour cela, il compte d'abord sur des partenaires dans la région. Salut Fabrice. Comment ça va? Bien et toi? Ouais, très bien.
J'ai bien reçu les vélos, super. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Fabrice Delalet, propriétaire d'une école de surf qui souhaite diversifier son activité. J'ai commandé les pneus, ils sont entrés en... J'ai reçu les premiers. Et les 4-8 là. Les 4-8, ouais, voilà, tu seras plus à l'aise sur la plage avec. Ouais. Fabrice vient tout juste de lui acheter 6 fat bikes d'occasion pour les proposer à la location dans la station balnéaire de Labenne, à 1 heure d'ici. Montant de la facture, 10 000 euros. Voilà. Ouais, on dirait des pneus de tracteur. Ce type de vélo, c'est un investissement conséquent, donc il faut y aller petit à petit et il faut avoir, ben, par exemple là, comme tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider. Ça, tu verras une vraie différence et puis surtout les vélos seront plus faciles pour les clients. Le projet des deux entrepreneurs est de s'associer. Mais avant de s'engager dans cette nouvelle aventure, ils vont tester leur idée dans l'école de surf de Fabrice. Une première. J'ai beaucoup de questions, ça arrête beaucoup les gens, ça les interloque, ça les surprend. Il propose une randonnée à 39 euros, mais surtout une formule à 65 euros. Un 2-en-1 qui combine fat bike et cours de surf dans des spots uniques. Ses clients vont tester. À la base, on venait pour un stage de surf et puis on s'est dit, ben tiens, c'est l'occasion voilà, de découvrir aussi d'autres sensations pour aller surfer. En ce premier week-end de vacances, un groupe de 9 personnes s'est inscrit. Certains rencontrent des difficultés au départ sur le sable sec, mais une fois lancés sur la partie basse de la plage, ils parcourent les 5 km à toute allure. Entre Anglet et Cap-Breton, ces immenses plages non surveillées sont délaissées des touristes et constituent un paradis pour les adeptes des sorties au grand air. Après 40 minutes de balade, les participants arrivent à bon port, sur l'un des meilleurs spots de surf de la région. On n'a pas l'habitude de rouler sur des endroits comme ça. Quoi. Ouais. Moi, ça m'a donné la sensation d'être sur une mobylette et puis en même temps de pédaler. Et voilà, c'était bien, j'ai trouvé des sensations de vitesse. Et puis allié avec la nature, l'océan, la vue sur les vagues, j'ai trouvé que c'était une très bonne expérience. Une première sortie réussie pour Fabrice. Ça marche bien. Ça marche bien. Ils ne sont pas si fatigués que ça. Avec sa formule fat bike et surf, il compte booster sa saison. Il vient d'acheter 6 vélos supplémentaires, de quoi permettre à des centaines de vacanciers de découvrir les plages sauvages des Landes.